De manette. Hop, on change de manette. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. La lumière soit. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. J'ai besoin d'un coup de main. Prêt ? Bien, madame. Allez. Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège. J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben je suis déjà en romantique. T'as d'autres atouts. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin.
Pas d'échelle. Jette un coup d'œil dans le fond. Je l'ai. Super, apporte-la ici. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Faut descendre par là. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Ouais, il rapporte toujours quelque chose. On aura de quoi faire pour un moment. Attends. Des sports. Mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Ça va? Ouais. Ce plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Doucement. Putain! Aidez-moi. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? En route. Thank you.
J'espère bien. Allez, on retourne en ville. Enfin, un peu d'air frais. Il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. J'ai horreur de l'odeur qui est en ville. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Hé, ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas tous périmés. Par ici. Ouvre l'entrée. C'est bon. La planche est tombée. Tu peux y aller ? Ouais, j'y vais. Hey, tu peux me passer cette planche ? Vas-y, passe-la moi.
C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Ramène tes fesses, on y va. Quelle autorité ? Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Hé, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'hommes de Robert, ok ? Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Et ma belle, comment ça va aujourd'hui ? Paris, pas maintenant, Terrence. Non, c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris ? Ok, je peux le faire. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un bail. Tu m'as rendu. Allez, Qui ça ? C'est qui ? Une vieille prise de tête, cherche pas. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Qu'on passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et d'entrer chez vous si vous venez à la vie. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Écoutez-moi le camp.
Hé, hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez immédiatement. Planquez-moi. Je te couvre. Ouais. Élimine-les. Je vais vous faire la peau. T'es mort, enfoiré. Rafistole-toi, ok? Super. Bien joué, le Texan. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre. Merde, on peut pas passer par là. Hé, aide-moi à monter. Ok, bien. Donne-moi ta main. Ici, Joël. Encore des gars de Robert. Comment tu sais? Je les vois. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. C'est par en nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Allez, on fouille le coin. Consolider les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est soufflé. Là. Bien, merci. On jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert, alors? Il se planque chez qui cette nuit? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. D'accord. Quoi, putain? Putain, je crois que ça fait par là.
Ça va. Occupe-toi de ta blessure. Jolie trouvaille. On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Ils nous auraient ralenti. Ouais, t'as raison. Viens, les quais sont par là. On y va. Le contact au nord, même chose au sud. Merde, je sais même pas s'il reste quelqu'un. Du coup, on doit prendre ses boulots pourris. Ça t'avancera à quoi, hein? Je te dis, cette zone est foutue. On ferait mieux de trouver un moyen de vivre ici. Ça serait du suicide d'aller dehors. C'était quoi, ça? Ça venait de par là! Hé, hey, on perd le tour.
Les bureaux, là. On verra d'où c'est. On y va. Parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Ivoire! Robert! Joël, par ici! On a failli l'avoir! Tess, Joël, sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Oui, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde. Ah, stop! 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 Merde. Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah, enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant! Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez.
lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Joël, donne-moi un coup de main. Hé, tu tiens le coup? Ça ira. Stop. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Je prends celui-là. Faites le tour pour l'autre. Ok. Soyez prudents. Il faut encore que j'arrive. Ça servira à rien de me tuer.
tu m'as eu. Ok. Plus très loin. Allez, rentre. Où est-ce qu'on va, Marlène ? Par ici. On n'est plus très loin. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. On est presque arrivés. En vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en Joël, donne-moi un coup de main. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approche pas d'elle. Hey ! Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes ? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. De la merde, je vais pas avec lui. Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez! J'ai entendu les tirs, mais...
C'était quoi? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Par ici. Allez, dépêche-toi. Mais oui. Toute personne cachant ou aidant des criminels recherchés est passible de vol. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute. Quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors.
pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. C'est bizarre qu'il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. On n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Attends au point de rendez-vous. Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? C'était la fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. De vérifier que la voie est libre. Bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok, c'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. Je crois pas. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour trois vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Marre de con. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh, merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés.
Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner, alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Vérifiez les tranchées. Bon, rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là. Attention, pas qu'ils nous voient. Allez. Un vagabond. Thank you.
Thank you.